Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la vague 6. Donc je vais vous présenter les figurines que j'ai peintes et les véhicules qui m'ont été imprimés en 3D. Donc je vous rappelle que dans chaque booster, vous aurez les cartes de Hall War, donc survivant et équipement, et pour CTA. Les figurines sont en résine, donc il y aura du collage et de l'assemblage à faire. Rien de bien méchant, des fois il y a juste à coller le socle ou un bras ou une arme sur les figurines. Je vais vous présenter aussi la boîte que j'ai fabriquée pour pouvoir ranger toutes mes cartes et les éléments du jeu tout de suite après les figurines. Donc on commence par Spencer Monroe. Comme d'habitude, j'essaie de customiser mes socles au mieux. Après, du coup, c'est vrai que ça donne des petits éléments fragile sur le socle, donc c'est vrai que quand on joue un petit peu avec les figurines, il faut faire attention de ne pas tout casser. Donc voilà pour Spencer. Donc dans ce booster, il y a Hit. Pareil, c'est une belle figurine. Hop là. Du fait qu'elles sont en résine, hein, les détails sont vachement jolis. Très très beau détail. Donc voilà pour celle-ci. Après, on a Aaron. Ah, la posture qu'il a, elle est vraiment belle, ça, moi j'aime bien. En train de courir. Vous voyez sa chose comme c'est quand même bien fait. C'est des super belles figurines. Avec son gun dans... Juste ici, le couteau. Après, dans ce booster, avec, il y a Eric. Après, au niveau des schémas de couleurs, j'ai essayé de reprendre un peu les mêmes schémas de couleurs. Il y a quelques trucs que j'ai changés. Comme l'écharpe, je trouvais que c'était plus assorti à quelques photos de la BD. Ouais, il a un pied de biche avec un beau fusil. Du coup, je lui ai fait une écharpe comme ça, en noir, avec plein de petits trucs blancs, points blancs. Donc voilà pour Eric. Après, on a Rick. Rick, voilà aussi, c'est pareil, c'est une très très belle figurine. Encore une fois, vous voyez, j'essaie de varier les socles. Là, j'ai peut-être un peu abusé, j'ai mis ça. Ça fait peut-être un peu grand. Vous voyez, sur sa hache, j'ai essayé de faire des impacts. Et voilà, encore une fois, les figurines, elles sont très très belles. Vous voyez, sur le socle aussi, j'essaie de rajouter des petites fleurs, des machins comme ça. Voilà pour Rick. Dans ce booster, il y avait un zombie. Donc j'en ai profité, je lui ai fait un survêtement des Lakers. Voilà pour ce zombie. Après, on a le booster de Jésus. Jésus, c'est pareil. C'est une très, très, très belle figurine. Moi, j'ai adoré la peindre. Il y a énormément de détails. Vous voyez ça, son petit gilet dessous sa veste, avec la fermeture éclair, sa ceinture. Ici, après, j'avais essayé de reprendre l'image de la BD, où il est sur un espèce de petit toit ou sur un bord de trottoir, je ne me rappelle plus. Donc, c'est pour ça que j'avais fait ce petit muret en pierre.
Voilà pour Jésus. Pareil, là, au niveau de sa main, en fait, ça s'est accolé. Et après, en fait, vous pouvez jouer sur le degré. Vous pouvez mettre son bras un peu plus haut. Moi, j'ai voulu baisser légèrement ses jumelles pour qu'on puisse voir son visage, en fait. Parce que si on les met juste devant ses yeux, en fait, je trouvais que c'était un peu dommage. Donc, c'est pour ça, moi, je l'ai baissé légèrement, mais ça se voit pas de toute façon, hein. Au niveau du collage et du montage, au niveau de son bras, vous voyez, on ne voit rien du tout. Donc lui, pareil, il était avec un rôdeur. Pareil, il est vraiment excellent celui-là de rôdeur. Et voilà encore une fois, ce qui est bien dans ces figurines, c'est qu'ils ont fait des rôdeurs quand même à chaque fois différents. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien pour peindre. Ça évite l'ennui, en fait, de toujours peindre les mêmes rôdeurs. Peu le problème de certains jeux où il y a beaucoup de figurines à peindre. Donc c'est vrai que dans ce jeu-là, c'est bien. Toutes les figurines sont presque, on pourrait dire, uniques, hein, sauf si vous prenez des packs additionnels de rôdeurs. Après, vous pouvez toujours les customiser, hein. Je sais qu'il y a plein de gens qui customisent les rôdeurs pour qu'ils soient différents. Mais c'est vrai que dans le jeu, c'est ça qui est bien, dans les boosters. Là, on a Ezekiel. Alors lui, pareil, hein, Ezekiel, j'ai pris beaucoup de plaisir à le peindre. J'ai pris pas mal de temps aussi. J'ai pris mon temps, on va dire, pour le peindre. Vous voyez, j'ai encore pareil sur son socle. J'ai rajouté plein de trucs dessus. Je crois que c'est une de mes figurines préférées avec Rick sur cette vague. Ah, la posture, hein, de toute façon, ça a été un booster exclusif, donc forcément, ils ont fait une belle figurine. Ouais, sur son sabre aussi, j'essaie de faire un impact, mais c'est peut-être un peu abusé. J'aurais dû le faire moins large, en fait, moins grand. Du coup, ça fait un peu grand. Hop, je vais reculer un tout petit peu. Voilà. Ah, c'est une super belle figurine, elle est très très belle. Pareil, vous voyez, dans son cou, au-dessus de sa chemise aussi, il a une espèce de collier. Il y a plein de petits détails, hein. Franchement, super beau. Avec son sabre. Après, donc, dans son booster à lui, on avait des têtes de rôdeurs. Donc, les têtes surpiquées. Donc, ils se sont pas trop embêtés, en fait. Ils ont récupéré les têtes des rôdeurs. Ça, je trouvais ça un peu dommage. Surtout que pour ceux qui ont suivi la BD, hein, vous savez les têtes qu'on a sur les piquets. Donc, je trouve ça un peu dommage. Ils auraient dû mettre d'autres têtes, quoi. Des têtes de survivants, quoi. Je trouvais que c'était plus logique. Après, apparemment, dans CTA, il y a une règle sur ça. Donc, s'il y a des copains qui ont la règle ou l'extension de CTA, ce serait bien de nous donner des informations sur ça. Sur cette règle, justement. Je crois que c'est la règle peur ou un truc comme ça. Vous voyez, c'est pareil, ça c'est encore une tête de rôdeur qu'on a déjà. Après, ça a été pas mal aussi à peindre, hein. C'était assez rigolo de peindre sur les visages. Du coup, ça m'a permis aussi de travailler justement ça, la peinture sur les visages. Je sais pas si... Vous voyez, les dents, tout ça. Du coup, c'est vrai que ça permet de travailler un peu plus sur une seule zone. Donc c'est intéressant aussi quand même à travailler sur les petites têtes. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait ma salle de trophée pour le gouverneur. Mais je réserve une belle surprise. Ça va prendre du temps, mais normalement, si mon projet atteint son but, normalement, ça devrait le faire. Donc ça, c'est un petit chien des Terrain Crate 2. Donc je m'étais amusé à le peindre, hein, pendant cette vague. Je l'ai collé sur un socle et j'ai dit allez hop, on le récupère avec les survivants et les rôdeurs. Comme ça, peut-être pourquoi pas faire un scénario avec le chien. Car je vous rappelle dans la série TV, hein, qu'à un moment donné, ils ont trop la dalle. Donc j'avais pensé faire un scénario, on doit l'attraper. Donc pourquoi pas avoir. Encore une fois, je trouve que je me suis appliqué, des yeux, tout ça. C'est pas mal. On s'améliore avec le temps, c'est cool. Donc voilà une de mes impressions 3D, hein, qui m'a été faite. Donc c'est la moto de Rick.
dans les scénarios de la prison, hein, pour ceux qui ont vu les vidéos de la prison, il s'en sert pour aller rejoindre Shane. Voilà la moto. Taré, je vais peut-être la mettre sur Sog, je sais pas trop encore. Pour l'instant, je l'ai laissée comme ça, mais pourquoi pas la mettre sur un Sog plutôt. On verra. Après, pareil, on continue. Donc, les motocross. Donc, j'en ai deux. J'en ai deux et j'ai envie de m'en servir pour un scénario assez particulier où, en fait, où Heath avec Glenn part en ville récupérer des médicaments pour sauver Scott, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, du coup, j'en ai fait deux. Et puis aussi, dans le début d'un tome, quand Rick rencontre Aaron et qu'ils rejoignent leur colonie, en fait, Alexandria exactement, à un moment donné, ils se retrouvent en ville et ils rencontrent le groupe de Alexandria. Et on a des motocross. Donc j'avais pensé, pareil, à faire un scénario là-dessus. Mais encore une fois, il manque des figurines. Donc on verra plus tard, hein, si on arrive à obtenir toutes ces figurines, pourquoi pas continuer à faire une nouvelle campagne. D'ailleurs, c'est ce que j'aimerais faire, mais bon, pour le moment, comme je vous ai dit, j'attends de voir les nouvelles figurines. Et ici, le quad pour Eric et Aaron. Donc, le quad, très sympa. Par contre, ce qu'il y a, c'est quand même, c'est de l'impression, hein, c'est super fragile. Ça n'a pas été évident. Je pense qu'il est quand même bien détaillé, du coup, c'est pour ça. Hein. Enfin, après, on aurait pu faire un quad basique, hein, avec moins de détails. Mais c'est vrai qu'il est pas mal du tout. Donc voilà pour cette vague 6. Je vais vous montrer la boîte que j'ai créée. Et puis on clôturera la vidéo sur ça. Allez, à tout de suite. Donc voilà ma grosse boîte où à l'intérieur j'ai rangé toutes les cartes. Donc je vais vous montrer en fait. Hop. Donc ici, sur le dessus, j'ai mis les socles que j'ai créés pour mes bâtiments. Vous avez pu voir dans mes différents scénarios. D'ailleurs, je dois les refaire. C'est en fait, j'avais scanné en fait les cartes papier. Vous voyez ici, ça fait des petits traits du pliage. Et là, j'ai récupéré ceux des tapis néoprène. Donc je dois refaire ça là bientôt. Mais bon, voilà, c'est intéressant. Comme ça, on peut les poser n'importe où. Il y a les pièces, il y a tout ce qu'il faut. Il y a juste à mettre les portes. Et on peut jouer à l'intérieur. Ici. Donc d'un côté, vous voyez, j'ai mis mes disques. Disque de menace, disque d'agression. Ici, j'ai mon sac de dés. Là, j'ai toutes mes cartes event qui sont ici. Après, là, tous ces sachets, c'est des jetons, des tokens. Donc point santé, les pions croix, les pions feu, pions ressources. Après, juste là derrière. Hop là. Ici, j'ai mes cartes équipement corps à corps. Derrière, c'est mes équipements de tir. Ici, c'est tout ce qui est armure, bandage, munitions. Juste là. Après, tout ça, c'est toutes les cartes de survivants que j'ai, hein, car je possède pratiquement toute la gamme. Ici, là, c'est devant, c'est quelques équipements que j'ai triés lorsque je fais mes parties affrontement. Hein, comme là, avec ce petit tas de cartes, là, c'est mes groupes de 100, 150 points pour le moment. Ici, devant, on a les cartes ressources. Et après, vous voyez des paquets de cartes différents. Là, en fait, c'est des paquets de cartes des différentes extensions. Car il y a certaines extensions où on demande de ne pas mélanger les cartes équipement. Ou alors, pour moi, pour pouvoir me repérer pour mes campagnes. Ici, c'est celle des chasseurs. Là, c'est la vague 6. Ici, c'est la prison. Et celui-là, je sais plus, je crois que ça doit être Woodbury ou un truc comme ça. Après devant, donc vous voyez, j'ai laissé une belle bonne place. Et en fait, devant, j'ai mis mon badge et les règles que j'ai fabriquées. Je vous rappelle que j'avais fabriqué des petites réglettes exprès justement pour pouvoir jouer plus facilement. Parce que c'est vrai que des fois, c'est pas évident à prendre les mesures. Vous voyez? J'avais fait des petites réglettes. Et en fait, donc du coup, j'ai tout rangé ça dans une grosse boîte. Après, je sais qu'il y a des copains qui aiment bien aussi ranger ça dans des classeurs. C'est pas mal aussi, ça vous permet de garder vos cartes à l'abri, hein, et puis elles sont bien protégées. Mais moi, du coup, comme je joue énormément au jeu,
J'ai trouvé que la solution était vraiment bien. Au moins, ça me fait sortir une boîte et j'ai tout à l'intérieur. Et au niveau de l'installation, je gagne quand même du temps. Parce que le problème, quand on joue avec beaucoup d'éléments de décor, le temps d'installer la map, ça prend beaucoup de temps. Donc, il faut essayer d'optimiser, se trouver des petits trucs pour pouvoir installer les jeux plus rapidement. Voilà. Donc, on va finir cette vidéo sur cette belle boîte et on va se retrouver très très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!